Et la tête de liste Avenir Ensemble LMD est avec nous sur ce plateau. Harold de Martine, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y aura 10 listes en province sud, avec des divisions peut-être un peu plus prononcées qu'en 2004. Est-ce que vous ne craignez pas un risque d'instabilité, comme en Polynésie, par exemple, au sortir de ces élections? Ben justement, il faudra que les Calédoniens soient très attentifs quand ils vont aller voter. Parce qu'il sera essentiel, au lendemain de ces élections, de trouver les voies et moyens de stabiliser nos institutions. Vous savez, nous l'avons déjà fait, l'Avenir Ensemble. C'était en 2007, avec le Rassemblement. C'est ce qu'on a appelé l'accord cadre, qui a été critiqué par certains, qui nous a valu le départ de Philippe Gomès. Mais en tout cas, nos institutions ont été stabilisées et ça a fonctionné. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, tout le monde le sait, ça a fonctionné. 18 lois de pays en 20 mois, etc. Ce sera essentiel au lendemain des élections. Et ce qu'on voit en Polynésie, c'est dramatique. 10 gouvernements en 5 ans, la catastrophe sur le plan économique. Donc nous, justement, ça fait partie de notre programme d'action, la stabilité de nos institutions. Et moi, qui ai passé 20 mois au gouvernement, je suis particulièrement mobilisé et motivé sur ce secteur. Alors au lendemain du 10 mai, s'il fallait faire des alliances, vers qui est-ce que vous vous sentez le plus proche? Ben écoutez, on verra. Philippe Gomès, Pierre Frogier. On verra au lendemain des élections en fonction des résultats. Mais je voudrais vous dire que pour ça, pour ce faire, il faut avoir aussi des hommes et des femmes de qualité. Et je voudrais vous dire que sur notre liste, notre socle, d'abord, c'est l'expérience. Nos élus sont sortants. Ils ont montré leur capacité à faire avancer les dossiers. Il y a beaucoup de jeunes aussi. Voilà, Isabelle. Ils engagés en politique. Voilà, mais tous ceux qui sont sortants, Isabelle Hollen, Sylvie Robineau dans la santé, Pascal Vittori, bien sûr, Didier Leroux, on le connaît pour sa rigueur. Et puis, c'est des visages nouveaux qui sont diplômés et qui sont compétents, que l'on a formés, qui ne débarquent pas comme ça. Corinne David, qui est au gouvernement depuis 1999, avec Jean Lec, qui a une maîtrise de droit. Pascal Panchou, qui s'est impliqué notamment dans les sessions du dialogue social et puis également dans la loi sur l'emploi local. Alors ça, c'est pour la composition de votre liste. Oui, mais c'est très important. Et je demande aux Calédoniens, justement, de bien regarder avant de faire leur choix et de comparer, tout simplement, par rapport aux autres listes. Vous savez, j'ai passé 5 ans à la tête des institutions. Je dis, il faut être expérimenté, qualifié, travailleur. Et puis, il faut savoir, vous savez, en quelque sorte, c'est un métier, même si on a de la bonne volonté. Vous savez, ça ne suffit pas. Et c'est un élément important du vote, il me semble. Alors, par rapport à votre programme de campagne, on retrouve, par exemple, le prêt à taux zéro, que vous aviez déjà proposé en 2004, mais rien n'a été fait. Pourquoi? Alors, d'abord, je voudrais dire que notre programme, c'est des actions concrètes pour améliorer la vie des gens. En 2004, nous avions proposé 75 propositions. Aujourd'hui, c'est plus de 100. Maintenant, ce n'est pas tout de dire. Il faut avoir la capacité à mettre en œuvre. Les Calédoniens savent bien que les engagements qu'on avait pris, on les a tenus. On va recommencer cette fois-ci. Donc, c'est toute une série d'actions. Mais au centre de ces actions, c'est la lutte contre la vie chère. Ça, c'est essentiel. On l'a fait au gouvernement. Ce que je regrette, je l'ai toujours dit, c'est que les autres collectivités ne l'ont pas fait, en particulier les provinces, qui doivent le faire. Par exemple, il faut supprimer cette taxe téléphonique pour baisser les prix de moitié. Mais ce sera un élément important. Mais bien sûr, tout ça dans un cadre. Le cadre, c'est la stabilité des institutions. Il faut avoir cette capacité à passer ces accords avec d'autres. Et puis, c'est surtout avec une vision d'avenir. Cette vision, c'est la solution négociée. Tout le monde l'a dit, tout le monde le sait bien. Le référendum en 2014, c'est dangereux. Et puis surtout, on voit bien, pendant tout ce temps, parce que c'est dans plus de 5 ans, ben les passions vont s'exacerber, bien entendu. Donc pour nous, c'est la différence peut-être avec les autres, c'est que la solution consensuelle, cette solution négociée, partagée, c'est au lendemain des élections. Il faut tous se mettre autour de la table le lendemain, c'est essentiel. Harold Martine, merci. Et puis justement, parlant de référendum, je précise que en tant que président du gouvernement, vous venez de demander le retrait du manuel scolaire édité par Hachette. Absolument. Merci.